C'est tout. Mais comment peut-on avoir un panari mal placé, Jean? Je l'ignore, Luciane. Probablement comme on peut avoir une narine mal placée ou une oreille mal placée. Non. Comme une voiture mal placée, ça vous va? Jean, je comprends parfaitement qu'une voiture puisse être mal placée, par exemple devant une porte cochère, mais un panari, c'est impossible. Ah bon, c'est nouveau, ça? Mais non, c'est très vieux. Ça date de l'apparition du panari. Vous voulez me faire avaler que le panari est né bien placé? D'une certaine façon, oui. Ça, c'est la meilleure! Luxor, je vous en prie, contrôlez-vous! Luciane, vous me jetez tous deux contre l'asperge et la poire. Une histoire de panari à dormir debout et voudriez que je reste morne, mais c'est mal me connaître! Luxor, le panari est-il toujours placé sur le doigt, près de l'ongle, oui ou non? Ça m'est égal. Par moments, je me demande si je rêve. Mon propre époux refuse de sauter l'obstacle de l'évidence. Et où voulez-vous qu'il soit, le panari? Où? Sur le mollet? Dans les cheveux? Sur la langue? Lucienne, je vous préviens, si vous continuez à m'emmerder avec cette histoire de panari, je vous plante là et je vais prendre une cuite avec Virgieux Mondricourt. Qui vous racontera pour la millième fois comment il a perdu un testicule en Indochine? Ça, ne vous en lassez pas. Non, parce que ce testicule, lui, était mal placé. C'est quand même plus humain que ce panari qui n'est soi-disant jamais. Ah tiens, le testicule du capitaine Virgieux Mondricourt. Court était mal placé. C'est nouveau, ça. Non, ce n'est pas nouveau, Luciane. Ça date de la naissance de Virgieux Mondricourt. Et je peux savoir où était le fameux testicule mal placé? Là. Où là? Là, au bout de l'index. Vous plaisantez? Non, Luciane. Un homme ne plaisante jamais avec ces choses-là. Il était, paraît-il, magnifique. Quand il saluait ses hommes, la vue de la vérité de leur chef, cognant sur son képi, leur donnait force et courage, et se croyait invincible. C'était un panari. Ah non, Luciane, je ne vous permets pas. Au bout du doigt, ce n'était pas un testicule, c'était un panari. Luciane, vous insultez l'armée française. Ah non, Jean, ça vous ne me le ferez pas gober. Mon faux père était général, je vous le rappelle. Je m'en souviens parfaitement, Luciane. Je vous rappelle que j'ai aimé, parce que vous savez bien, son menton. Eh bien, je vous le dis tout net, Jean. Mon père aurait ri, et vous savez combien il avait du mal à rire avec ce sabre qui lui avait traversé la mâchoire. Mais je suis persuadée qu'il aurait ri si l'un de ses officiers avait prétendu avoir une couille au bout du doigt. J'ai trop d'estime pour votre père, Luciane. Vous comprendrez, j'en suis sûr, que je ne peux continuer à me nourrir pendant qu'on salit sa mémoire. Vous battez en retraite, Jean, comme toujours, dès que vous sentez la bataille perdue. Je vous souhaite un agréable dessert, ma chère amie. Vous êtes un lâche, Jean, un lâche! J'ai honte!